Après une longue nuit de navigation, notre équipage a rallié le nord-ouest de l'île d'Isabela. Destination Puente Vicente Roca, un lieu prisé des amateurs de plongée. On a navigué toute la nuit, donc on se réveille en voyant ce décor. Et c'est vraiment magnifique, donc on est vraiment face à une grande falaise. Et sur la gauche, il y a une grotte qui fait un peu comme dans les films, quoi. Après, tu mets tes bottines. Exactement, c'est mes charentaises. Donc, il est prévu en fait une nouvelle plongée. On va faire un petit brief sur la plongée d'aujourd'hui. On va avoir une plongée de 45 minutes environ. La température va osciller avec les thermoclines, donc ces fameux courants très froids entre 12 et 18. L'eau est froide. On se retrouve tous pour attaquer une plongée qui, a priori, a vocation à explorer le tombant de l'île et de nous permettre de remonter gentiment vers une grotte sous-marine et d'explorer un peu les fonds avec, si on a de la chance, quelques belles rencontres. On va embarquer alors. À moins de 10 minutes de la plongée, t'es comment ? Stressé tout le temps. Mais bon, Charlotte va me tenir la main. Je suis toujours un petit peu stressée parce que, il y aura toujours un peu de stress avant. Mais franchement, non, je l'appréhende bien et je me dis que ça va le faire. Et puis je suis contente d'y aller. Tu veux que je te prenne mes palmes roses aujourd'hui ? Oui. Là, on voit bien la topo là-dedans. L'ancien volcan là. Oh là là, regardez, c'est magnifique là. Vous voyez pas tout ce qu'il y a. Il y a tous les iguanes. Oh, les iguanes. Regarde comme il est énorme celui en bas là. Ouais. Il est à côté des petits jeunes. Ouais. Ils sont quasiment tout en haut là. C'est canon là, comme c'est beau. Oh, il y a de la houle là. Ça bouge, ouais. Hein ? Ça bouge là, ouais. À l'endroit où on était avec le bateau, c'est vrai que la mer était plus ou moins calme, enfin ça allait à peu près. Et en fait, plus on s'approche de l'endroit où on doit plonger, plus on sent qu'il y a des vagues en fait. On va se lancer un par un, ok ? Mais personne ne se submerge avant les autres. On va tous descendre ensemble tranquillement, ok ? Sí, y a Luz, nos tiramos el primero y después ella Luz. Ok. Él la ayuda a bajar y después le coge, ¿sí? Ah, c'est froid ! Oh Ricardo est très détendu ce matin. On va se mettre à l'eau et très rapidement il va falloir plonger parce qu'il y a quand même beaucoup de courant et il y a un petit peu de houle. Donc, nous on s'exécute, donc on se met à l'eau et dès qu'on a le signal, on vide notre gilet de plongée pour pouvoir couler tout simplement. On n'est pas assez lesté, donc avec Aurore, on se retrouve à faire bouchon dans les vagues. J'ai peur là. J'ai vraiment peur là, on va dans les vagues. C'est border là. Franchement, là, on a peur. Il y a trop de vagues. Allez, la mode, voilà. Le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de houle, il y a beaucoup de courant. On a les vagues qui nous arrivent dessus. Donc là, en fait, il faut le dire, c'est la panique à bord. Enfin, c'est la panique dans l'eau. C'était un peu la panique. Franchement, moi, je sais que j'ai vraiment eu peur. On n'est pas bien du tout. Mais là, on est arrivé jusque là. N'importe quoi là. Ça va, ça. On n'est pas des professionnels. Là. On a bien plongé, mais dans des endroits calmes. Là, moi, je veux bien y retourner, mais il faut que les conditions elles y soient parce que là, ils y sont pas du tout. On est débutante en plongée. C'est notre deuxième plongée en mer.
on ne s'attendait pas du tout à avoir des conditions comme celle-là. Non mais même là, ça brassait vraiment très très dur. Au niveau courant, ça tournait dans tous les sens. Les vagues, elles venaient sur nous. On se faisait submerger par les vagues et tout. Ça fait que forcément, on a eu peur, quoi. Mais si on décide de descendre là, il faut que nous, on descende d'abord pour voir si c'est à peu près calme. Non, mais pas là, de toute façon. Vous allez retourner, là ? Moi, je ne retourne pas, perso. Non, mais je crois qu'on va pas y aller, nous. OK, l'idée, c'est pas de forcer, de toute manière. C'est de faire quelque chose pour se faire un plaisir et d'y aller en confiance. Moi, je le sens pas du tout. Donc, il est hors de question que sur cet endroit-là, sur cette île, je replonge ici, quoi. Niette. Pour ma part, finito pour aujourd'hui. De vous submerger. Les filles préfèrent arrêter et se dire, voilà, nous... l'expérience n'était pas bonne et on préfère arrêter là pour aujourd'hui. Et donc on plonge en comité restreint un petit peu plus loin. En fait, on va avoir une super plongée et on va faire de très très belles rencontres sous l'eau. Donc ça valait le coup de naviguer 5 minutes pour aller sur un autre spot. La première, c'est une tortue qu'on va rencontrer sous l'eau en train de dormir, en fait. Et on va être juste à côté à pouvoir l'observer, à la regarder sans qu'elle fuit, en fait. Elle est posée, elle ne bouge pas. Donc ça, c'est une rencontre incroyable. Trouver au détour de ces rochers une tortue verte comme ça, posée entre deux courants, en train de flotter et de se reposer, c'est toujours assez sympathique. C'est vrai que les animaux n'ont pas de crainte de l'homme, ne fuient pas à son approche, n'ont pas trop peur des bulles, n'ont pas trop peur des plongeurs. Donc on en profite parce que c'est des rencontres exceptionnelles en fait, qui nous sont proposées ici. C'est des expériences uniques. On est complètement bluffé par cette première découverte. Et puis, dès qu'on se rapproche du fond, on découvre à ce moment-là notre première raie pastenagre qui est tranquillement en train de s'alimenter au fond. Le bouquet final, en fait, qui est plus de l'ordre de l'apparition que de la vraie rencontre. Parce qu'en fait, on n'a pas une super visibilité, mais on devine une énorme silhouette noire qu'on reconnaît immédiatement parce que ça forme un très grand disque avec de part et d'autre deux ailerons. Et là, on reconnaît la silhouette, en fait, du poisson lune, un immense poisson. Là, c'est la rencontre inattendue, quoi, inespérée, de rencontrer un individu aussi gros que celui-ci. Comme la visée n'est pas très bonne, on ne peut pas dire qu'on le voit avec une très très grande précision, mais on voit cette espèce d'ombre énorme, totalement fantomatique, comme ça, dans le bleu. Quand on a la chance, effectivement, de pouvoir l'observer, c'est le cadeau, quoi. C'est le feu d'artifice, le bouquet final. Donc, même si c'est très furtif, ça reste magique, en fait, parce que dans l'immensité de l'océan, pouvoir faire ce type de rencontre, c'est toujours de l'ordre de l'exceptionnel. Inespéré, le poisson lune. Ouais. Complètement inespéré. Immense. Tortuga. Dès qu'on retrouve le regard comme ça de l'autre à la surface, on sait si la plongée a été incroyable, si ça a été un moment comme ça d'émerveillement. Bon, ça valait le coup d'y retourner ? C'est grandiose. C'est super. C'est là. Fantastique.
ressortir et voir les gens avec la banane sur la figure. D'abord, on a l'impression de se voir, parce qu'on a beau plonger, replonger au Galapagos, je pense qu'on ne s'en lasse pas. Je ne sais pas qui c'est qui avait plus la banane des trois. Ouais, complètement. À droite, là. Ouais, ça a sauté, là. Cap vers le nord d'Isabela. Notre équipe rejoint Puenta Albermale, un secteur qui porte les stigmates d'une histoire douloureuse. C'est vraiment très gros, très blanc. C'est monté comme ça, là, activement. Il la travaille. Nouvelle visite. C'est le mot d'ordre du voyage. Donc là, on arrive sur une nouvelle île. Et cette île, en fait, elle a été habité, entre guillemets. Donc il y a des restes en fait d'habitations, de maisons. Donc c'est parti pour une visite historique. Ouh, c'est un petit peu frais. Cadeau de bienvenue. Elle est trop belle. Oh, regardez ça, juste au-dessus de nous là. Oh là là, oh là là. Regarde. Un territoire, hein. On est vraiment sur un territoire. Là, il y en a une autre qui arrive. Elle se parle. Mais on va être entouré de buses. Les oiseaux de Hitchcock. On arrive sur une petite plage et on entend des cris qui ressemblent fortement à un bruit d'aigle. Mais bon, c'est la fameuse buse des Galapagos qu'on trouve que aux Galapagos, vu que c'est une espèce endémique. C'est un oiseau qui est assez difficile à approcher. Donc c'est souvent un oiseau qu'on observe bien avec des jumelles en vol. Et là, en fait, on se retrouve face à deux jeunes buses qui viennent se poser, mais à côté de nous, quoi. Donc on peut les regarder vraiment très près, posées au sol. Donc c'est assez incroyable quand on connaît le comportement des buses de chez nous. C'est pas une observation furtive dans le ciel, quoi. Elle vient se poser juste à côté de nous. Donc c'est vraiment de l'ordre du cadeau. Là, on est énormément chanceux, hein, de pouvoir l'observer dans ces conditions-là. Attention. L'autre jour, c'est pas facile. Regarde ça. Oh là 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 là, mais c'est dingue. Salut toi. Ces oiseaux sont vraiment complètement au-dessus de la chaîne trophique. Hein. Ici, il y a personne au-dessus d'eux. Donc, c'est super prédateur. Vraiment une confiance. Ouais. La particularité de cette buse, en fait, c'est que c'est un oiseau qui a opté pour un système de reproduction un peu particulier qu'on appelle la polyandrie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une femelle qui va s'accoupler avec plusieurs mâles. La polygamie, c'est un mâle avec plusieurs femelles, et la polyandrie, c'est une femelle avec plusieurs mâles. C'est une stratégie de reproduction, en fait, qu'a adopté cette espèce. Il y a toujours un point d'interrogation sur la paternité du petit poussin. Le manchot fait pareil, justement. C'est quoi ce truc bleu? Ah bah c'est du plastique. Très bien. Normal. On pourrait peut-être nettoyer la nature en même temps. Mais là, il y a eu un arrivage de plastique. En marchant un petit peu, on se rend compte qu'il y a énormément de déchets plastiques sur l'île. En fait, c'est la marée qui a ramené tout ça sur l'île. Et avec Aurore, réflexe en fait, on commence à ramasser un petit peu des déchets partout. C'est vraiment des poubelles, hein. Il y a des oranges. À cause de cette. Donc là, il y a des sacs, il y a des bouteilles. Donc ça fait mal au cœur parce qu'on pense aux animaux qui vont tomber sur ces objets et qui, par curiosité, vont peut-être les manger ou peut-être se mettre le sac sur la tête. Enfin voilà. C'est rare de voir ça quand même, hein. Ah bon? Ouais. Bah ouais, c'est. Bah, on en a pas vu depuis le début. C'est toujours affligeant de constater que partout, en fait, on va retrouver des résidus de notre civilisation. Et qu'au-delà, effectivement, de cette destruction des écosystèmes, de cette exploitation jusqu'à l'épuisement des ressources de la planète, eh bien, l'homme pollue et l'homme salit.
les plus beaux endroits de la Terre, y compris ici. Même quand on est en France, à la plage, c'est pas compliqué hein, de ramener des mégots ou de ramener des sacs en plastique qu'on trouve à l'occasion d'une balade et puis de les jeter dans la première poubelle qu'on trouve. Mais ici, au Galapagos, c'est ce qu'on va faire. On va se débrouiller pour ramasser ce qu'on trouve. Ils sont trop choux. Oh bah. Oh, t'es beau, toi. Lui, par contre, ça le dérange pas trop, tu vois, la présence de l'homme. Il est énorme, la tête de monstre. Ouais. Et comparé à tout ce qu'on avait vu, c'est vraiment une masse. Tous ces vestiges et toutes ces ruines qu'on a autour de nous et un petit peu le reste d'un des plus gros fléaux, je pense, de l'humanité, qui est les restes d'une base militaire, donc qui se sont installés ici uniquement pour avoir un système de vigie, d'observation sur toute cette partie du Pacifique. On apprend que les Galapagos ont servi de base avant en fait pour les États-Unis lorsque on était au plus fort de la guerre du Pacifique qui opposait les États-Unis au Japon. Ça peut sembler incongru de se dire que nous sommes ici dans un parc national, emblématique hein, de la conservation et des grands espaces naturels sauvages, et qu'il y a quelques dizaines d'années, eh bien, c'était ici, il y avait ici une base militaire. Et on se dit qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il y a des Américains qui sont venus, des militaires qui sont venus, au milieu des iguanes, des otaries et des bus des Galapagos. D'où ça vient le nom Galapagos d'ailleurs? Qui les a baptisés, tu vois, ça... Alors le nom de Galapagos vient en fait de l'espagnol Galaparo. Et c'est une selle de cheval qui a une forme très très particulière et qui remonte sur les bords. Une grande partie de ces îles ont une communauté une espèce particulière de tortues terrestres. Chacune de ces tortues avait une forme de carapace vraiment très particulière. Et cette forme-là de carapace qui remonte sur les bords au-dessus et dessous est vraiment fait penser en fait à cette forme de selle qui s'appelle Galapagos. Et de là est venu le nom. J'aime, quand j'arrive dans un nouveau pays, dans une nouvelle destination, apprendre un peu plus sur la culture, sur l'histoire du pays. Ça permet vraiment de s'imprégner du lieu dans lequel on est et de repartir avec de réels souvenirs et de réelles émotions qui correspondent à l'endroit où on a été. Il est exceptionnel, je jure. Lequel ? Celui qui est sur son rocher. Rocher, là, il y a des. Ah lui, c'est le King of Island. Ah oui. Il y en a partout. Oh, il y a une tortue sur la plage. Mais qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi elles sont là? Ça, c'est un phénomène qui est très rare, de voir des tortues marines sur la plage hors saison de ponte. Allez, hop. Alors c'est vrai que c'est complètement inattendu, parce que pour des tortues marines, on a plutôt tendance à imaginer qu'elles vont vivre en permanence dans l'océan. Et en fait, non, on apprend que cette espèce, en fait, cette tortue verte, vient aussi de temps en temps s'échouer à l'air libre pour pouvoir juste se reposer et se réchauffer en plein soleil. Et ça, elles le font tous les jours. Non, c'est quand même assez rare de les voir comme ça. Oui. C'est là où on se demande qui observe qui. On a cette promiscuité tellement constante avec ces animaux-là qui sont chez eux, il ne faut pas oublier. Donc nous, on arrive vraiment chez eux, ils sont là, ils sont posés. Moi, je suis persuadé, oui, effectivement, que c'est ces animaux-là qui nous observent plutôt que le contraire. Ouais. C'est quoi? Ah oui, là-bas, une raie? Ouais, on la voit là. Bien, là. Ouais, on la voit super bien, ouais. Là, elle est vraiment juste à la surface.
En repartant vers le bateau, on croise la route d'une raie manta qui est en fait à la surface de l'eau. Oui. Oh, superbe. D'un coup, manta, manta. Et tout de suite, en fait, on a l'adrénaline qui monte, on se met tous debout, on essaye de la voir. Et effectivement, on la voit très, très bien. Ah, elle a changé de direction. On a vu les cornes, là. Elle a changé de direction. Ah, oh, regarde. Mais c'est énorme. Oui, oui. Il y en a qu'une, là. Oui, il y en a qu'une. Oh, oh là là. Regarde ça. Regarde ça, la portée. En fait, elle est vraiment mais énorme. Moi, je m'attendais pas à un truc aussi gros, en fait. Et c'est surprenant. En fait, les raies, quand elles nagent, on a l'impression qu'elles volent dans l'eau. Bah, c'est une rencontre mythique parce que la raie manta fait partie des grands animaux marins que toutes les personnes qui aiment l'océan rêvent de rencontrer une fois dans leur vie. Voilà, il y a le requin baleine, il y a le requin marteau, il y a la raie manta. Quoi. Tu vois le dessous blanc. Ouais. Elle est là. Ah, regarde ça. Oh là 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 là. Regarde un peu la taille. Oh. Plus que 3 mètres. C'est énorme. Oh là là, c'est magnifique. C'est encore un moment magique. Un moment de plus. Hop, on le rajoute dans le cahier des souvenirs. C'est aussi ça la magie de la nature, en fait. Elle peut nous proposer des instants de joie pure. Et je pense qu'aussi c'est un message qu'on peut faire passer que... quand on parle de conservation et du pourquoi de conserver et pourquoi protéger ces espèces-là, bah, tout simplement parce qu'elles nous offrent des moments précieux pour nous, pour nos vies d'être humains. Quoi. Si ces animaux n'étaient pas là, eh ben, on serait bien seuls. La plongée, là. Elle a sondé. Elle est partie. Bien. Oh, trop bien. Elle est partie. Eh ben, cadeau. Alors aujourd'hui, eh ben, c'est mon anniversaire au Galapagos. Je suis trop contente de pouvoir fêter son anniversaire avec elle au Galapagos sur un bateau. Parce que c'est un anniversaire dont elle va se souvenir très très longtemps. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est une pastèque. C'est une pastèque. Il y a une super déco parce qu'il faut savoir aussi que le chef nous fait des sculptures d'animaux dans des fruits et des légumes. Donc là, j'ai mon petit canard sculpté dans une courge et puis courgette, enfin carotte, donc il est juste magnifique. Ouais, peut-être, on marche. Ouais, non, c'est super sympa. On rigole bien avec Cyril, Stéphane et Xavier. Et je pense que c'est juste ça qu'il fallait pour que Aurore puisse passer un bon anniversaire. Franchement, le gâteau est vraiment bien, surtout qu'il n'était pas au courant avant qu'on arrive sur le bateau. Donc les courses avaient déjà été faites. Donc il a fait le gâteau avec ce qu'il avait. Ça se voit qu'il a passé du temps dessus, ça, il y a de la crème au-dessus, enfin, il y a des petits dessins, non mais c'est juste trop bien, les petites bougies. Franchement, chapeau bas à notre cuistot. Je souffle. Allez, passez. Franchement, c'est vraiment, c'est vraiment touchant. Moi, ça me touche vraiment beaucoup. Merci. Bravo. Elle n'a pas forcément l'habitude d'être le centre d'attention
Et ce soir, c'est elle la reine de la soirée. Et moi, je suis très contente de pouvoir lui offrir ça. C'est une très grande amie et elle ne mérite que ça. Elle se rend compte que les gens autour d'elle l'aiment. On est toutes seules. Muchas gracias. Ce matin, on a les garçons qui partent pour une plongée. Il s'avère que c'est une plongée qui est quand même assez compliquée, il y a beaucoup de courant. Et voilà, on n'a pas envie de refaire la même chose que la dernière plongée. Donc, on n'y va pas. Juste là, on passe là. Ah, mais là, ici, là, d'accord. Ouais, je lâche là. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être prêts tous ensemble. Ouais. Et tous à l'eau ensemble. OK, pas un, deux, trois. Oui, ah, t'as mal, ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un kilo? Ça, c'est un kilo, ouais. Non, yeah. Fais-toi plaisir, Ricardo, vas-y. Fous-moi au fond, y a pas de problème, hein. C'est pour le plaisir. Mais qui est ce matin? Y a un truc que je t'ai fait, Ricardo? T'es pas content d'être avec nous? 1, 2, 3, go! Sur ce qui s'est passé sous l'eau, c'est de l'ordre de l'exceptionnel. On a eu le droit à tout, quoi. Vraiment. On descend déjà, il y a un festival de poissons partout. Mais des coffres, des poissons perroquets énormes, des poissons Napoléon. On va ensuite rapidement voir des requins des Galapagos. C'est vraiment la silhouette typique du requin. Le requin des Galapagos, donc c'est un requin gris qui doit faire dans les 2,50 m à peu près de long. Silhouette typique du requin, un peu fuselé, très hydrodynamique, gris bleuté avec vraiment deux couleurs assez différentes entre le haut et le bas du corps. À aucun moment je me sens menacé ou... On sent juste une sorte de curiosité inquisitrice, quoi. Tiens, qu'est-ce que c'est? J'irais bien voir. Il y a une sorte de tête-à-tête un peu avec ce poisson. C'est une rencontre particulière, quoi. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Et à un moment donné, Ricardo m'attrape par le bras, il commence à me secouer. Et avec, je vois ses yeux écarquillés, il me montre donc devant moi, il me montre le grand bleu. Et là, je tourne la tête et là, je vois une silhouette d'un requin marteau. La silhouette typique avec cet aileron dorsal énorme, un animal qui fait plus de 4 mètres, massif. Magnifique animal, et puis cette silhouette de la tête aplatie, on est figé, quoi. Moi, je suis figé de voir ça. Il nous passe devant, et puis il s'éloigne, paf. D'un seul coup, il nous tourne le dos, et on voit cette silhouette, la silhouette de sa tête comme ça. Et puis il s'enfonce dans le grand bleu. Ça dure 10 secondes. C'était un moment incroyable, quoi. Quelle rencontre. Je crois comprendre que Cyril m'explique qu'il a vu un très grand requin marteau. Je crois comprendre ça à ce moment-là, mais je suis fou parce que je me dis que j'ai peut-être loupé la seule occasion du voyage de voir cet animal mythique.
requin marteau, ça fait partie des espèces pour lesquelles des plongeurs traversent la terre entière pour venir ici aux Galapagos pour pouvoir l'observer. C'est un des très grands requins, des plus grands requins sur terre, ou plutôt en mer. Les Galapagos sont un des sanctuaires pour le requin. C'est un endroit sur Terre où effectivement on a le plus de chances de rencontrer beaucoup d'espèces de requins différentes. On peut se réjouir que beaucoup de personnes traversent la Terre pour venir observer ces animaux parce que c'est un contre-pied de cette mauvaise réputation qu'ont traîné avec eux les requins pendant tant d'années. Mauvaise réputation et réputation injuste. Les attaques de requins sur la planète sont extrêmement rares. Il y a plus de morts sur la planète à cause d'une piqûre d'abeille que d'une attaque de requin. N'est pas terminé parce que on continue notre avancée là, et on tombe sur un banc de raies mobula, donc c'est la petite raie manta. La grande surprise, ça a été vraiment ce grand banc qui croise notre chemin à quelques mètres de nous. Même si la visibilité n'est pas excellente, les rayons de lumière percent la surface et nous permet vraiment de profiter pleinement de tout ce groupe de raies qui sont vraiment aussi gracieuses que les raies manta. On a vraiment l'impression de voir en fait un balai aérien. Ricardo arrive complètement excité en nous faisant signe qu'une manta est au-dessus de nous. Donc on regarde, la visie n'est pas exceptionnelle. Donc on regarde partout autour de nous, on ne la voit pas. Et là, on palme tous comme des malades pour essayer de voir la manta. En remontant légèrement, et d'un seul coup, là, on voit une ombre énorme, gigantesque, juste au-dessus de nous. C'était un moment vraiment magique, quoi. Un moment incroyable de voir ces animaux. C'est tellement mythique et surtout avec cette proximité, c'était vraiment un moment de rêve, quoi. Je pense que dans la vie d'un plongeur, ça fait partie des moments qu'on peut cocher comme ça, d'une croix quelque part sur un carnet de plongée ou en tout cas dans ses rêves. Ça reste très très fort, ça reste des images qui sont gravées, des sensations qui sont gravées, où en fait, j'ai plus l'impression d'à chaque fois d'avoir eu comme des coups au cœur, quoi, à chaque fois avec des yeux qui s'écarquillent et une forme d'incrédulité de se dire « moi, mais je vis vraiment ce moment-là, je suis vraiment en train de voir cet animal ». Bon, c'est une plongée... simplement magnifique. Wouhou ! Ce spectacle. Incroyable. Incroyable. Oh là là là. Vous avez vu un marteau ? T'as vu le marteau ? Ah ! T'as vu un marteau ? Bah ouais. Ah, j'ai pas vu. Il est passé devant nous. Et puis après, il est parti dans le bleu. Mais il était... Ah ouais, il était énorme. Hammerhead. Requin marteau, requin des Galapagos, raie mobula. Des raies manta également. Ça va, il vous en faut encore ? You need more ? Non. Yeah ! Alors aujourd'hui, avec Charlotte, on a décidé de faire partager aux copains, en fait, qui sont restés au zoo, en train de travailler, en train de s'occuper des animaux. Coucou les copains ! Et du coup, on filme l'endroit où on vit. Alors, on est sur le bateau, on va faire une petite visite. Parce qu'on est quand même plutôt pas mal ici, vu si c'est beau. C'est le côté coulisses de notre voyage. Vas-y. Alors là, il y a les...
petite culotte à aurore. Alors, faut faire attention où on marche. Il y a des gens qui laissent ouvert la fenêtre de leur cabine. Et là, on arrive à l'avant du bateau. On est pas mal. Les filets. On est où? On est sur les filets. Alors là, c'est nos cabines. Donc ça, c'est le grand lit d'Aurore. Et le petit lit de Charlotte. Et là, les papy Chulo. Bengali, Bengali. Donc ensuite, on va présenter tout l'équipage, toutes les personnes qui ont pris soin de nous pendant tout ce voyage. Miguelito. Hola. Ricardo. Diego. Et Fernandino. C'est vrai que l'équipage de ce bateau, on les adore et... On est content de les avoir en vidéo pour les ramener chez nous. Et après, le plus important, El Capitan. El Capitan, il est exceptionnel. Je l'aime d'amour. El Capitan! Ouais! Ah, j'ai aussi gros de ma vie. Pou, pou, pou. Nouvelle traversée pour notre équipage. Quelques heures de navigation vers l'est pour rejoindre la lointaine île Seymour. Ce soir, on arrive presque au moment du coucher de soleil sur une île qui est réputée pour ses magnifiques colonies d'oiseaux, qui est l'île de Seymour. C'est l'île aux oiseaux. Oui, pardon, on y va, allez, parti. Hop. Ok. On va se focaliser un petit peu sur les espèces d'oiseaux nicheurs qu'on va trouver ici. On va encore les faire attendre. La petite tête. On a la chance en fait de se balader avec le soleil qui se couche devant nous. Et c'est super joli. C'est super beau là. C'est trop canon. On a sur cette île plusieurs espèces mythiques, donc notamment l'une des premières qui nous accueille, c'est la frégate magnifique. C'est un immense voilier, c'est un immense oiseau marin. Et en fait, il a ce qu'on appelle une poche gutturale, c'est une poche de la gorge qui, lorsqu'elle est gonflée, est entièrement rouge. En fait, c'est un attribut nuptial du mâle. C'est une façon un peu de gonfler les pecs, sauf que c'est pas les pectoraux, c'est la gorge. C'est... T'as vu comme je suis beau? En fait, c'est un oiseau pirate. La frégate est réputée pour aller harceler les autres espèces d'oiseaux marins pêcheurs qui, eux, passent des heures et des heures à aller pêcher les poissons en pleine mer. Et en fait, les frégates vont harceler donc les autres oiseaux jusqu'à ce que ces oiseaux lâchent leur proie et ensuite, elles vont aller les chaparder. Donc, c'est des oiseaux... c'est vraiment les pirates des airs. Donc, en fait, on a un oiseau magnifique, très gracieux, très élégant. Et puis, en fait, c'est un pirate. On a coupé. Au coucher du soleil, au bord de la mer. Okay. Hey, ils font ça avec les manières. Et puis il y a des voyeurs en plus. On rencontre deux mouettes qui sont en train de copuler. Et c'est vrai que je trouve que c'est un cadre plutôt bien. Voilà, les formes ont été mises. C'est romantique, plage, coucher de soleil. Manque plus que deux petites coupes de champagne à côté. On a des mouettes romantiques ce soir. Attends. Ouais. Ces cliquettements qu'on a entendus là, on pense que c'est une espèce de début de système d'écholocalisation.
ils sont nocturnes, c'est pas crépusculaire, quoi. C'est vraiment, ils sont capables de pêcher en pleine nuit. Ah non, ils sont vraiment nocturnes. C'est vraiment la seule mouette nocturne au monde. Il y a plusieurs... Et là, on a à nouveau une des merveilles de l'évolution, en fait, qui nous est offerte ici, parce qu'en fait, Xavier nous apprend que cette mouette a développé des capacités qui seraient proches de celles qu'ont développées les chauves-souris ou les dauphins, qu'on appelle des capacités d'écholocation. L'écholocation, ça consiste à émettre des cris à une certaine fréquence, et la réverbération des cris qui sont émis par l'animal, eh bien, permet à l'animal d'avoir une image sonore de son environnement. Et donc cette mouette, qui vit en pleine nuit, eh bien, a développé, comme la chauve-souris elle aussi en pleine nuit, ses capacités d'écholocation. Regarde ça, comme c'est beau. C'est super beau. Oh, ah bah là, le coucher de soleil avec les otaries. Regardez-les là. Elles sont blotties sous les... Ils ont fait la petite cabane. Oh, c'est la crèche. T'as envie d'aller les... Ouais, carrément. Hein, goudi, goudi. Ouais. Fais dodo. T'as qu'une envie, là, c'est d'aller les gratouiller. Oh. Sur cette île, une fois de plus, y a nos amis les otaries qui sont toujours là, qui nous accompagnent tout au long du voyage. Et là, entre autres, on arrive et il y a encore plein de bébés. À chaque fois, on n'a qu'une envie, c'est de les prendre dans les bras, de les pétouiller, de les gratouiller, de leur faire des câlins. Le bébé otari, c'est juste trop mignon, avec leurs petits yeux tout ronds, tout noirs, on dirait vraiment des peluches. Et c'est vrai que j'avouerais qu'à ce moment-là, on a vraiment envie d'aller les caresser. C'est trop mignon. On a des concentrations de bébés un peu partout, et ça nous fait vraiment penser à des petites crèches, quoi. On vous laisse ensemble, vous vous surveillez les uns les autres, hein, et puis à ce soir. Allez, bonne journée. Le sifflement du mâle, du fou là. Là, ce qu'on entend, tous ces sifflements là derrière, ça, ce sont les fous à pieds bleus, les mâles. Et ça, c'est la femelle qui fait ça. C'est vraiment un grognement. Hein. Ça, c'est un jeune mâle. Là. En fait, on arrive à un endroit où il y a vraiment beaucoup de nids. Tous les nids sont tous mélangés, ils sont tous ensemble. Donc il y a des nids de frégates et de fous. Chaque oiseau, en fait, sur ces îles-là, va arriver à établir un système de reproduction et de nidification particulier. Certains vont le faire au sol, d'autres vont préférer des rochers, d'autres plutôt des zones un petit peu ouvertes, plutôt sablonneuses. Il existe tout un tas de niches écologiques et reproductives qui vont permettre à chacun de pouvoir trouver leur zone optimale pour pouvoir mener à bien leur nichée. C'est une très belle journée qui s'achève sur une belle île avec plein d'oiseaux et un merveilleux coucher de soleil. C'est une autre impression encore des Galapagos, avec une sorte un peu de cliché, quoi, du coucher de soleil sur cette petite île. Mais c'est un cliché qui fait du bien. Ah oui. Le coucher de soleil sur les Galapagos, c'est... C'est superbe. Ouais. C'est magique, surtout sur ces îles qui sont inhabitées. Et on se sent seul au monde. Complètement. Ouais. Il est énorme. Et là, on tombe sur le gros pépère. Franchement, il est énorme. Je crois que c'est un des plus gros qu'on ait pu voir. Ces épines dorsales qu'on a n'ont plus aucune utilité. Il n'y a plus de prédateurs. C'est pour ça qu'on a cette impression-là qu'il est mal peigné. On
on a un banc de raies. C'est des raies aigles. C'est un moment de dingue, quoi. Là, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'était une plongée incroyable. Oh là, génial. Oh, elle est trop belle. C'est juste énorme. Et c'est des tortues qui peuvent peser jusqu'à 250 kg. Elles peuvent peser autant qu'un poney, quoi.